Ok, là-bas on est ouais, une espèce de toundra sans neige là, je sais pas comment ça s'appelle ce biome. Oups. Bon. Bon. Je voudrais un biome marais, s'il vous plaît. Avec des slimes, tout ça. Juste pour une potion de résistance au feu, après je retourne dans le nether. Promis, je vous laisse tranquille. Ok, plus de bouffe. Ok, une faille. Non, je vais pas la rechanter. Bon, la canne à sucre, ça va prendre toujours nous faire quelques pages. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Ouais, ça pouvait ressembler à un début de marécage, mais non. Tiens! Ah putain, ça y ressemble beaucoup, hein. Mais non. Mais stop les vaches quoi. Il y en a trop. Bon, et puis là j'arrive en 800. Ah oui, attendez, si, si, je sais ce qu'on va faire, attendez. Excusez-moi, c'est juste que... Mais comment t'es arrivé là toi? Ma porte est fermée et j'ai... Un de mes chats avec moi, tiens. Aïe! Attends! Ah, la garce. Bon. Excusez-moi, mais elle m'a griffé et... Elle a réussi à m'entailler un doigt. Bon, ça fait rien. Sale bête. Bon. On va continuer quand même. Ah, ça fait mal. Excusez-moi, mais... Ah, la garce. Bon, oui, ce que je disais, putain, ça me crame. T'es pas sympa pour ton maître. Bon, oui, c'était ça, attendez, hop, alors, en zéro... Non, c'est pas ça, c'est pas cette image-là. C'est l'autre. Pas celle-là non plus. Celle d'après. Alors attendez, que je prenne ma calculette. Alors, la forteresse dans le Nether était en moins 379. Donc on multiplie par 8. Ce qui nous fait 3032. Je le note quelque part, 3032. Ben, de toute façon, je regarderai la vidéo. De toute façon, on fasse, donc moins 3032. Et
elle était en Z en 147, donc 147 fois 8, et en 1176, donc bah, 3030, 3170 quoi. À peu de choses près. Est-ce qu'on va jusque là-bas? Oh non, bah c'est tombé, en plus je suis parti dans la mauvaise direction, il aurait fallu que je parte dans le sud. Enfin par le sud, c'est con. Mais ça aurait été pas bête de me diriger par là et essayer après de refaire un portail là-bas. J'aimerais prendre quand même quelques vaches. Bien sûr, la nuit tombe et j'arrive. Pas encore dans un endroit très safe. Oh, le bug. Voilà. F3 plus A. C'est cadeau. Tant pis, hein, je continue à tracer. Hein. C'est pas comme si on était en ultra hardcore, en hardcore quoi. Y a un creeper qui me regarde, il me dit, toi, je t'aurai dans le dos. On va essayer de passer la nuit ici. Moi, je vous propose une nuit survie. Allez, on va essayer. On va rester ici. Et on va essayer de survivre à tout ce qui peut nous arriver sur la tronche. À commencer par ce zombie. Undermen, mais salut. Bon, j'arriverai pas à récupérer de poudre de creeper. Hein. Oh ouais, tentative CD, ce serait cool ça. Mais j'ai pas de squelette à proximité là. Il y avait un creeper à l'instant, je l'ai vu, mais je ne le vois plus. Bon. On va continuer à aller vers le nord, hein, de toute façon. On va essayer de se réaligner quand même. Merci pour les os. Oh, des chiens. Putain, il faudrait que je me trouve des chiens. Il y en avait sur le chemin du retour. Je vais aller peut-être en rechercher. Ah, et bah tiens, quand on parle du loup. Quand on parle du loup. J'ai même pas fait exprès. Ah, il est où? Ah, là. Salut, toi. Tiens, j'ai un cadeau pour toi. Ouais, j'en ai que deux, j'espère que ça suffira. Tant que j'arrive, il s'est barré. Il est là. Ah non, non c'est du bois de boulot ça. Il est passé où le chien? Tout. Eh, viens là. Oui, c'est bien. Bon. J'ai un chien. J'ai un chien.
donnerait à manger de la viande de zombie de toute façon. C'est à ça que ça sert. Bon, ok, ça commence très fort. De toute façon, on va garder la viande de zombie ici. Il a pris qu'un morceau ici, pareil. Reviens là, idiot. Ok, c'est bon. Bon, en fait, faut vraiment donner qu'un coup et laisser s'occuper, quoi, parce que sinon. Ouais. Bon, je me sens un peu plus en sécurité avec un chien, mais faut pas faire non plus le fifou. Je sais pas où il est. Où elle est, cette araignée. Doit être en hauteur. Je crois que je l'ai vu. Non. Bon. Alors tout de suite, je vous préviens, inutile de me proposer des noms de chiens. Il n'en aura pas, je n'aime pas les chiens. IRL. Remarque, j'aime bien les chats et regardez ce qu'ils me font en retour. Ils me griffent. Ouais, c'est ça, roupille. Bon, Ouais, résultat est toujours sur mon plumard, tant pis. Bon, je suis en 1.7.2. Hein. Pour le moment, les squelettes ne fuient pas encore les chiens. Allez, vas-y. Vas-y, Médor. Non, non, j'ai dit que j'y donnais pas de nom. Bon. Hop. Merci pour les flèches. Et pour les os. Ça, c'est une sorte de biome toundra, encore une fois, mais qui n'a pas de... Ok, là, c'est le drame. Oh putain. Mon chien est lourd en vie. Tiens. Il pique sur ma réserve de bouffe en plus. Bon, attendez. Là, moi, je viens, mais voilà quoi. Bon. Non, on va faire demi-tour. On va faire demi-tour. Juste un peu plus de cochons. Parce que maintenant, on est deux ventres à nourrir. D'accord, il a fait spawner un autre en plus. Bon, tiens, j'ai de la pâtée pour chien là. Bon. Bon, on va retourner à la maison. Toujours. Ah oui, j'ai plus d'épée non plus. Ok, d'accord. Tout va bien. Merci pour la propulsion. Tant pis. Salut. Vas-y, vas-y. Pousse-moi, pousse-moi.
Ok, le chien qui se TP, pas de problème. Le jour où le chien pourra prendre du stuff et qu'on pourra le récupérer. Savez, un petit peu comme dans Fallout. Il y avait un chien, enfin dans Fallout 3, pas New Vegas, mais enfin, j'ai jamais joué à New Vegas, mais dans Fallout 3, on pouvait avoir comme coéquipier un chien, et le chien pouvait récupérer pour nous des munitions qui traînaient dans le secteur ou de la nourriture. Je sais même plus le nom de ce chien. Ce serait cool que l'idée soit reprise dans Minecraft avec les chiens. N'empêche que le chien n'est pas doué pour le hardcore, hein. Bon. Et ouais, parce qu'en plus, je vais devoir faire attention à la vie de nous deux maintenant. Tout ça pour un clébard. Bah, dis donc. Ah non, tu vas pas me faire chier pour sortir, toi. Alors ça, si c'est pour un signe, ça vous fait pas penser un peu à un crâne de squelette? Bon, enfin bref. Allez, Iti retour maison. De toute façon, c'est pas compliqué. Le sud, ouais, c'est ça. Le sud, jusqu'à ce que je trouve une énorme jungle. Et cette jungle, c'est la mienne. Ah. Et ça, vas-y, tire-toi après avoir tailladé le doigt. C'est reconnaissant, les animaux domestiques. Nourri, tu t'occupes de... Il te tranche un doigt. Non, ne vous en faites pas, ma santé mentale va très très bien. Bon, on aura parcouru presque, ouais, presque 1000 blocs quand même, vers le nord, sans trouver le biome adéquat. De toute façon, je ne dépasserai pas les 1000 sur 1000, pour la simple et bonne raison que de toute façon, les strongholds se trouvent dans cette zone. Ça ne peut pas dépasser les 1000 sur 1000, il me semble. Ou alors les 1500 sur 1500. Un truc comme ça. Faites comme moi, consultez le wiki. Cochon 20, ok, et puis vache 41 à cuire, hein, j'entends bien. Donc on est tranquille niveau bouffe pour moi et le chien. Ok, welcome to the jungle. Putain, la vache, les cochons, quoi.
Un barbecue, quoi. Un vrai bar... Oh, je veux ça. Je veux ça. Je m'en fous si je perds des cœurs, mais je veux ça. Une pomme. Parce qu'une pomme en or, c'est la vie. Et je me souviens déjà plus de mes coordonnées. Bah si, c'est ça, c'est moins... Bah, c'est juste de l'autre côté, en fait. Alors, étage, je reviens, la nuit retombe. C'est cool. Ça s'assombrir, non? Non, pas tant que ça. Ouais, c'est vrai que c'est en 1.8 hein, que les mobs glitchent dans les feuillages et meurent. En 1.7, ce problème n'existe pas encore. J'espère qu'il sera résolu avant la fin de la 1.8. Mais sachant que cette vidéo sortira certainement après la sortie de la 1.8 de Minecraft. Donc vous en saurez peut-être plus que moi. Je tourne un petit peu en avance, hein, évidemment. Je vous ai dit, étant donné le travail que j'ai en ce moment, je tourne un petit peu en avance pour être, pour avoir du temps pour mon travail. Peut-être un poil paumé là. Carte, s'il vous plaît. Ça, c'est pas normal. J'ai une fiole d'eau. J'ai dû avoir une sorcière qui est morte. Être con. 35 230 35 c'est par là, 230 c'est par là. Toute façon, je devrais pas tarder à apparaître sur la carte qu'on va quand même virer parce que chaton. Oh, fait chier. Pas de poisson. C'est vrai que de la pêche automatique avec le poisson, ça aussi c'est facile à faire. Ouais, bah sauf toi. C'est tout, je peux pas t'apprivoiser. Excusez-moi, mais... Sympa le chien. Bon, 35, j'y arrive. Après, j'aurai plus qu'à me déplacer par là. Là, je vais encore par là. Ouais, en gros, je contourne ça déjà pour commencer. Ok. Ah oui, je reconnais ici. Ok, c'est bon. Je sais à peu près où on est. Wow. Enfin, moi ce serait plutôt Georges de la jungle. Attention ton chien.
Ça crame ici. D'ailleurs, c'est pas fini. Non, tu vas pas crever, hein. J'aurais pas dû essayer de cramer la jungle alors que j'avais mon chien. Viens là, toi. Je t'en encore un peu. Ok. Avant le coucher du soleil, je vais encore cramer un bout de jungle. Voilà, bon, on va laisser un petit peu la jungle cramer. Oula la 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 la. Tous mes cookies sont passés, mais ok, il reste un goût de fer ici. Si, hop, ça, l'or, ok, on va faire cuire le. Ok, et ben des pastèques qu'on en a par contre. On en a un stock, donc une bonne source de nourriture. Miso. Alors attendez, juste que je me débarrasse de ce qui ne me convient pas. Ça, je vais garder. Les boîtes de sapin. Ok. Non, ça, je vais le garder sur moi. Il y a du poulet là. Récupérer du charbon, je sais pas où je l'ai foutu. Il est là. L'or, ça va être les potions. En soi, je peux me la faire, ma golden apple. Les yeux d'araignée également. La vache moisie. Ouais, attendez. Quatre bouquins de plus et on est level 12. Alors on a l'efficacité, la puissance,